Bonjour à tous, voici une vidéo dans laquelle nous allons calculer la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Comme tu le sais, la vitesse se calcule avec l'expression v égale d sur delta t, où v désigne ici la vitesse de la lumière dans le vide, petit d la distance soleil terre, et delta t la durée que l'on cherche à calculer. Nous modifions cette relation pour exprimer delta t en fonction de d et v pour obtenir delta t égale d divisé par v. La distance Soleil-Terre est d'environ 150 millions de kilomètres en considérant la trajectoire de la Terre comme circulaire. En écriture scientifique, petit d égale 1,5 10 exposant 8 km. La vitesse de la lumière dans le vide est petit v égale 300 000 km par seconde. Cette vitesse, la plus grande qui existe, et celle de l'onde lumineuse émise par notre étoile, le Soleil, on la note souvent petit c, elle désigne la célérité de l'onde, c'est le terme que l'on utilise plutôt que celui de vitesse. En notation scientifique, v égale 3,00 10 exposant 5 km par seconde. Ainsi, delta t égale d sur v, avec les données. Delta T égale 1,5 10x8 divisé par 3,0 10 exposant 5. Et on obtient delta t égale 500 secondes. Ou encore delta t égale 8 minutes 20 secondes. Ceci signifie qu'un rayon lumineux qui part maintenant du Soleil atteindra la surface de la Terre dans 8 minutes 20 secondes. Nous observons donc le soleil avec un retard d'un peu plus de 8 minutes. Par exemple, lors d'un coucher de soleil, nous le voyons au ras de l'horizon alors qu'il est sûrement déjà couché. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu le souhaites, tu peux laisser un commentaire ou poser une question. A bientôt